Mais le circuit que j'attends le plus dans Mario Kart 8 Deluxe, c'est le Souk Maskass. Ah là 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 là, moi j'en connais un qui aime bien le Souk Maskass aussi. Hein. Il y a des gens qui veulent que je prenne Mario, Toad. Et Daisy, non. Non, Daisy, vous voulez pas qu'on prenne Daisy, quoi. Vous êtes anti-Daisy, des anti-Daisy primaires. Et Waluigi, on l'a débloqué, mais vous voulez pas qu'on le prenne non plus. On veut que je prenne Toad. Bah écoute, on va prendre Toad hein, avec le 4x4. Hein. Il est bien ce truc là, voilà. En plus, c'est bien, on fait des airs du soleil, c'est très bien d'avoir un 4x4 pour ça. T'as jamais pris Toad? Mais si, je l'ai pris Toad. Je l'ai pris dans le premier live. Si, si, je l'ai pris Toad. Attendez, on me la fait pas à moi quand même. Attendez, j'ai le fil du gamepad là. C'est bon, le gamepad il a encore de la batterie. Non mais ce kart n'a aucun sens hein. Pourquoi il y a des espèces de hanse sur les côtés là? Ok. Très bien. Oh! Ça commence bien. Oh putain, je suis 8ème. Bon allez, vas-y Toad. Ouais, dégage, dégage, dégage. Poki de merde. Putain, je déteste ce circuit. Hein. Oh là là. Ouais, wouhou. C'est bon, c'est bon. Génial. Bon allez, il y a le petit squelette Rex. Il y a Yoshi. Mais Yoshi, c'est encore un personnage léger. C'est léger Yoshi? Oui, c'est léger Yoshi. Et d'ailleurs, on sait toujours pas pourquoi, mais il y a des boules de feu là qui apparaissent. Genre, elles sortent d'où? Tiens, tiens, tiens. D'ailleurs, c'est drôle parce que ce circuit, il a la particularité d'avoir le soleil de Mario Bros 3 à l'intérieur. Wow, wow, c'est bon. Oh la musique. Oh non, purée, mais je voulais. Je voulais un champignon. Oh non. Oh là 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 là. C'est la mort. Oh. Passons là-bas. Mais non, mais on s'en fout de cette merde. Mais qu'est-ce que tu me donnes une banane, toi? Allez, un éclair, un éclair, un éclair. Oh, quoique, un éclair cinquième, je suis pas sûr que ça arrive. Oh purée, mais je te mange. Oh. Ouais, mais on s'en fout, on s'en fout. Ah non mais je suis quatrième, c'est bon, laisse tomber quoi. Oh il m'a dépassé sur la fin, je suis choqué. Ah ouais, non mais c'est mort les gars hein. C'est mort. Non non mais Toad c'est bon hein. Non non non, non Toad c'est mort, je joue pas Toad. Il est tout pourri son truc. On n'a pas joué Peach avec ça là. La petite élégante. Où on peut jouer. Oh, on peut jouer le tank avec Peach. Non, mais on n'a pas joué l'élégante. Allez, prenons l'élégante. Luigi qui troll. Non, mais Luigi, c'est bon, c'est mort. Je crois que le quartier Delfino est confirmé vu que beaucoup de personnes l'ont vu dans le data mining. Enfin, dans le data mining. Data mining, tu veux dire. Coup bas de la part de Nintendo, par contre, de faire Peach aussi bas. Ah là là, mon dieu. Mais attendez, mais... C'est, pourquoi ces cartes, genre, ils sont pas bons en hors-piste? Tout à l'heure, le... Oh là 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 là. En fait, elle est très bonne en vitesse, Peach, mais... Pour le hors-piste, c'est mort, quoi. Très bien. Voilà, j'aurais dû prendre Skullerex, en fait. Allez, go. Non, 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 non. Putain, mais... je le savais que ça allait terminer en hors-piste, je le savais. Hors limite, là, ou hors-piste. Oh, putain, mais c'est... truc de fou, quand même, hein. Elle est tellement petite, Peach. Oh, yeah. Allez, go, go, go. Non, non, mais je pense qu'on va reprendre Skelerex et le tank. Hein. On va essayer comme ça, mais bon. Wow, wow, wow. Ok, d'accord. Parfait. Ouais, il y a un petit bloops qui est passé, là. Je sais pas qui l'a lancé, mais bon, c'est très bien. En fait, ouais, elle a de bons dérapages. Non, 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 non. Dit, 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 dit. Il me faut un champi. Oh bah c'est parfait.
Bon, ils sont un peu cons, hein. J'ai pris les Poki comme ça. Non, non, putain, mais... Oh, oui, bah oui, bah... génial. Toi. Oh, putain, mais il va trop vite. Vous avez vu le truc qu'il m'a fait, là, à la fin? Autant, vas-y. Le désert, il y avait beaucoup de hors-pistes partout. Autant le quartier Delfino, ça va. Ça va le faire, je pense, quand même. Yes. On y va. Avec les petits delfinos. Attendez, j'arrive pas à vous lire parce que vous mettez des messages trop gros. Oh, mais... Genre, il m'a aspiré le mur. Non, mais... Pourquoi il y a que des gros persos avec moi? Oh, purée, MDZ, elle a rien à foutre. Ok. Très bien. Non, mais... C'est de l'autre sens. Oh là là, par contre, je m'y perds. Hein. C'est là-bas qu'il faut aller. Ouais, 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 bah ouais. Allez, go. Génial. Ah, je m'y perds, hein. Il est chaud, celui-là, en miroir. Ok. C'est bon. Ça sert à rien de garder un... Un bloc. Mais il est là, lui, mais... Tiens. Oh. Non. Oh, il a voulu m'avoir, en plus. Ouf, là, 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 là. Ok, génial. J'aurais pas dû tenter, mais bon, c'est pas grave. Non, mais d'où il a trois bananes, lui? Vas-y, dégage. Allez, voilà. Mais pourquoi mon dérapage il va vers l'autre côté? Oh là, c'est bon, ça me saoule. J'arrête de faire des dérapages, j'arrête de jouer ce carte, ça y est. Hein. Et pourtant je pensais qu'il était bien ce carte. En fait, il faut juste le tank. Le tank est juste le meilleur carte du jeu en fait, c'est tout. Ok. Génial. Parfait. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tiens, dégage. Oh là là, parfait. Hop. Wow, génial. Oh, je l'ai eu? Sérieux? Voilà, nickel. Tu penses que Bateau Volant sera dans le DLC, mon ref? Ouais, je pense, ouais. Ouais, il y a des chances. Bah, il n'y a pas beaucoup de courses qui ont été refaites dans ma Mario Kart DS. Enfin, dans ma Mario Kart Tour pour ma Mario Kart DS, donc oui. Le peu qu'ils aient fait... Je pense que ça va y être, quoi. Sandy, je savais pas que tu avais maintenant un Discord. On fait comment pour y accéder? Ben, c'est très simple. Tu vas dans la description de l'une de mes vidéos. Ah non, ok. Je me suis dit, pourquoi il n'y a pas le Waluigi, le gros Waluigi, là? J'ai eu peur. En fait, c'est parce qu'il est là. Tu vas dans la description de mes vidéos et tu as un lien, normalement, tout simplement. Voilà, donc pour les gens qui sont intéressés par rapport à... Il y a mon Discord, vous avez de toute manière... Dans la description de cette vidéo, puisque je parle à la rediff, bien évidemment, bah vous avez le lien de mon Discord, où on parle aussi de Mario Kart Tour. Donc c'est plutôt intéressant. Oh là là, par contre, celui-là en miroir, il me fatigue. Go. Après, il est bien le flipper, hein, mais... Il est pas drôle en rétro. Enfin, en rétro, en miroir. J'arrive plus à parler là. Je perds mes mots, ça y est. Ok, go. Après, il n'est pas si long que ça quand même. Hein. Les courses de la DS, elles sont pas si longues en vrai. Bon, comme je vous ai dit, c'est peut-être dû à des limitations techniques aussi. Quoi? Oh, j'ai cru que j'avais fait des pop la bleue. Ce serait bien Flipper Waluigi pour ma carte 8 de luxe. Oui, ça serait très cool. Mais à mon avis, ils peuvent pas passer à côté. C'est l'une des courses les plus appréciées. C'est comme Bois Vermeil. Hein. Ils passeront pas à côté. Voilà. Génial. Ok. Enfin, c'est ce passage-là qui me fait le plus peur, moi, avec la boule et tout. Et après, là, voilà, tu retombes ici. Normalement, c'est easy, là.
Hop. Et voilà, bah c'est easy, mais moi je me mange la boule. Forcément. Oh, c'est trop bizarre parce que regardez sur le haut là, il y a la roulette. Mais l'icône du fantôme, enfin l'icône du bout, c'est pas la même icône que bah, l'icône de ma carte PS quoi. Je prie pour le circuit Daisy de la Wii. Mais en fait, le circuit Daisy de la Wii, c'est bien qu'il le fasse en remake et qu'il le fasse pas juste en portage. Parce que en soi, il faut qu'il porte des circuits qui sont déjà finis quoi. Le circuit Daisy, t'as l'impression qu'il est pas fini. Genre, le thème et tout ça, il est stylé hein. Moi j'adore le circuit Daisy, mais le truc c'est que il manque de passages un petit peu alternatifs, etc quoi. Il y a deux gros ronds-points, à la fin c'est super linéaire à part le trottoir là. T'as le passage dans les... Mince. T'as le passage dans l'espèce d'immeuble là, en raccourci. Mais c'est tout quoi. Donc je veux qu'il revienne le circuit Daisy, mais dans le prochain Mario Kart du coup, en rétro. Ça, ça serait bien. Voilà. Je suis le seul à trouver le flipper Waluigi OZEF ou pas? Bah il y a des gens qui aiment pas hein. Comme il y a des gens qui aiment pas Bois Vermeil ou des gens qui aiment pas Lagon Tourbillon par exemple. Hein. Oui, hérétique. Après, j'ai l'impression que le DLC va surtout reprendre les courses de Mario Kart Tour. Mais oui, hein, mais c'est le cas depuis la sortie du DLC en fait. En plus, quand tu vois les circuits qu'ils vont ajouter là, via le leak. Oui, oui, c'est littéralement que du Mario Kart Tour même. Hein. Même Corniche Champignon là, bon, c'est pas encore dans Mario Kart Tour, mais vous avez vu, Supermarché Coco, ils l'ont ajouté cette saison. C'est la même chose. Ah merde! C'est vrai qu'il faut un triple champi pour faire le passage secret. Ok. Ah oh, purée. Très bien. Triple banane, les gars. Attention. Tiens. Oh non. Voilà. Tiens. Tiens. Oh mais est-ce que les Rex arrêtent d'éviter un peu? C'est bon, je l'ai eu. Parfait. Après, est-ce que cette musique, la musique de la corniche là, elle est reprise dans un circuit? Ah, c'est peut-être la même musique que Pont Champignon justement. Ah, peut-être, ouais. Ok. Parfait. Nickel. Pff, attention. Oh. Parfait. J'espère que vous entendez pas trop mon stick. Hein, parce que dans le montage du dernier live de Mario Kart DS, j'ai vu que... Enfin, j'ai vu, j'ai surtout entendu d'ailleurs qu'on entendait beaucoup mon stick. Et bon, là, je pense que ça va, vous l'entendez pas trop quand même. Après, il faut que je force, hein, parce que pour faire les dérapages sur Mario Kart DS, il faut incliner beaucoup le stick et tout ça. Attendez, mais je leur mets une mine là, mais mes adversaires, ils sont où là? Ah oui, d'accord! Je suis en 150cc quand même, hein. Comme quoi, je vous ai dit, hein, j'ai bien suivi vos conseils. Ça y est, maintenant, les dérapages, je les garde et tout ça. Je prends des cartes qui sont faites pour accélérer vite. Voilà. Ah non! Pas cool. Voilà. Oui, on l'entend. Ah, vous l'entendez? Ah, merde! Désolé. Je savais pas. On l'entend très bien le stick. On l'entend un peu. On l'entend mais c'est pas gênant. Ah bon, ça va alors. Ah oui mais je pensais qu'on l'entendait pas moi. Enfin après je suis à 2 cm du micro. Le micro il est là, hein, regardez. Il est juste là le micro donc Pour la saison d'Halloween, j'aimerais bien un Skelerex slash Bowser squelette en grande faucheuse et le Mario de zombie. Enfin Mario zombie de Odyssey. Ouais c'est cool. Bah après, Mario, il a déjà un costume Halloween, quoi, hein, quand même. Yes! La coupe étoile a été ajoutée au Grand Prix Nitro dans cette catégorie. Parfait. C'est fou parce que tu dois vraiment débloquer toutes les courses une par une, quoi. Alors, on prend qui maintenant? J'ai envie de prendre... Ah ben, pourquoi pas la Daisy, là. Tant qu'à faire, autant prendre Disco Mobile et tout, hein.
Ah, vas-y, le parc baby, là. Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant. J'aime pas du tout. Là, vraiment, il n'y a que des sélections de merde, hein, pour cette coupe. Après, comme je vous ai dit, c'était compliqué de faire une bonne course Super NES, parce que, bon, les courses Super NES sont pas folles, en général. Après, du coup, il y a la course de la N64, là, que j'aime pas du tout. Ils ont pris Park Baby, parce que ça leur faisait moins de taf. D'ailleurs, en parlant de Park Baby, petite anecdote, mais il se trouve que... Il y avait des objets de Mario Kart Double Dash qui étaient censés apparaître dans Mario Kart DS. Notamment, par exemple, c'était quoi déjà? C'était le Chomp, donc de Baby Mario, Baby Luigi. Et il y avait aussi, surtout, la carapace de Bowser. Qui avait du coup Bowser Junior, Bowser et tout ça, quoi. Ok. Oh putain, mais dégage. Oh, mais non, je passe au travers des items, quoi. En vrai, les deux voitures se valent. Hein. Autant il y a des cartes, ils ont un gameplay super nerveux, etc. Genre le tank. Autant ceux-là, il faut vraiment que tu restes sur la route, tu fais tes dérapages et c'est bon, tu déglingues tout le monde, quoi. Ok. On fait attention parce que s'il y a une bleue, je suis dans la merde. Hein. Voilà. Ok. Et ben voilà. Parfait ça. Alors attends, j'ai vu une question. Sanji, à ton avis? Alors attention, voyons voir. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Sanji, à ton avis, quelles sont les prochaines villes de Mario Kart Tour? J'espère que ce sera le Caire, le Maroc et l'Espagne. Bah alors moi, honnêtement, je vais vous dire ce que j'en pense. Hein. Moi, je pense que la prochaine, déjà, ce sera... comment ça s'appelle? Ce sera... ah mince! La Thaïlande. Donc à mon avis, la capitale, hein, probablement. Et donc... oui, j'allais dire Singapour, pas du tout. La capitale de la Thaïlande. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Attendez, depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher. C'est quoi la capitale de la Thaïlande? Attendez, je suis très mauvais en géo. Ça va me revenir. Je vais pas regarder le chat, ça va me revenir. Bangkok, merci. Voilà. Donc, vous avez vu, mais j'ai même pas regardé le live. Hein. Donc Bangkok, à mon avis, c'est la prochaine. Et en ville, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais beaucoup bah, une ville en Italie, moi. Donc Rome ou je sais pas, Venise, ça serait stylé, ça serait génial d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aimerais aussi? J'aimerais bah ouais, une ville en Espagne, ça serait cool. Madrid, Barcelone, voilà, ça serait cool. Naples aussi, on peut faire. Ça serait bien. Après, j'aimerais bien une petite course en Suède. J'aimerais beaucoup. Un peu un pays nordique. J'aimerais bien. Après, à mon avis, moi de ce que je pense, hein, je pense qu'ils ont fait une course en Russie. Mais qu'ils sont dans la merde parce qu'actuellement ils peuvent pas la sortir. Je pense que c'est ça le problème là. À mon avis, il y a une course à Moscou, je pense. C'est impossible qu'ils aient fait, ben, par exemple, ils aient fait Berlin sans faire Moscou ou un truc du genre. À mon avis, c'est plutôt logique, mais ils peuvent pas la sortir. Enfin, ça serait trop mal vu. Même si ils ont développé la course avant. Ben, la situation géopolitique, mais à mon avis, ouais, ils sont un peu emmerdés par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y aurait après comme course que j'aimerais potentiellement? Ben, en Italie, moi, vraiment en Italie, ou une autre course en France, par exemple. Mais bon, après, là, vu que Paris, c'est la ville la plus connue de France, à mon avis, il n'y aura pas d'autres courses en France. Voilà. En fait, la France, mis à part Paris, c'est pas. Enfin, il n'y a pas d'autres villes très connues. Tu demandes à un étranger de te citer trois villes en France. Allez, il te sort peut-être Marseille. Bah, Paris, forcément. Après, une autre, peut-être... Ah, j'allais dire Toulouse, mais... Même pas Toulouse, en vrai, qui s'y pourrait citer... Ah, je sais pas. Oui, c'est vrai, je suis premier sur la route Glagla, tout à fait. Marseille. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit, Marseille. Vienne, Budapest, Istanbul, Athènes. Athènes, ça serait génial. Ah, ça serait génial.
Le Caire aussi, j'aimerais beaucoup. Même si j'aime pas les courses désertiques, ça manque en fait. Ça manque d'une petite d'une course au Caire. Parce qu'en plus, sur l'artwork principal de Mario Kart Tour, il y a quand même le Caire, quoi. Il y a les pyramides, donc... imagine, tu rentres dans la pyramide et tout, ça serait... sympa. Sympa. Ouais, du coup, ça serait super... Mais putain ! Château de Bowser de la GBA de merde, là ! C'est lourd. Oh, la voix de Daisy, elle m'insupporte. Non, mais n'allons pas là... Non, 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 non. Oh, je veux pas aller là-dedans. Dégage ! Ouf. Parfait. Allez, on y va. Le Caire serait le best. Ouais, tout à fait. Le Caire, ça serait cool. Rome aussi. Bah ouais, mais Rome, moi, j'adorerais Rome. Plus, Mario, il est italien, quoi. Donc bon, ça m'étonne qu'ils aient toujours pas fait Rome. Ça m'étonne qu'ils aient fait Singapour avant une course en Italie, quand même. Hein. Si je devais te citer des villes du monde entier, je t'aurais pas cité tout de suite Amsterdam ou je t'aurais pas cité tout de suite... Berlin, etc. Je t'aurais cité d'autres villes, plutôt des villes, des villes, genre en Italie, en Espagne, en, la Russie, forcément, parce que c'est connu, quoi. Après, ça serait bien de repartir un peu aux Pays-Bas aussi. Mais y a beaucoup de destinations là qu'on peut avoir potentiellement. Après le problème c'est que vous avez vu Amsterdam. En fait le truc c'est que ils ont mélangé du coup la ville de Amsterdam avec la ville de Volendam qui est du coup la tenue de Harmonie, vous savez. Et en fait Volendam c'est réputé pour être une ville vachement vachement touristique, mais surtout très dépaysante avec beaucoup de verdure, etc. C'est pour ça qu'on a une partie avec un petit peu la campagne, etc. à Amsterdam. Wow. Ok, ok. Tiens, dégage. Oh là là, parfait. C'est le château de Bowser combien celui-là? C'est le 2, je crois. Sanji, tu trouverais pas ça drôle? Un Wario russe avec sa petite bouteille de vodka et sa chapka. Ah bah, il faut savoir que déjà... l'alcool, ça a été censuré dans un jeu Wario. Je sais pas si vous le savez, mais dans un des Wario Land, il y a un pingouin à la base qui te balançait des chopes de bière. Et ça rendait Wario complètement saoul. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les jeux Wario Land, Wario n'a pas de transformation à proprement parler. C'est les ennemis. En fait, il se sert des obstacles dans les niveaux pour se frayer un chemin dans les niveaux. Donc ça veut dire que si, par exemple, imaginons, hein, il trouve une bonbonne de gaz, une bonbonne d'hélium plutôt, pas de gaz, dans un de ces niveaux, bah il va s'en servir pour gonfler comme un ballon par exemple. Et là du coup dans un des niveaux d'un des Wario Land, il y a un pingouin qui te balance du coup des chopes de bière et ça rend Wario complètement saoul. Et du coup quand il est saoul, bah il devient complètement bourré et la droite et la gauche est inversée. Enfin bref, tout est inversé, etc. Mais c'est pour la rigolade, quoi. Et ça a été censuré chez nous. À la place ils ont censuré du coup le sprite et ils ont mis que c'était des bombes à la place, des chopes de bière, voilà. À savoir, hein. Mais à mon avis, et en plus, pareil, en parlant de Mario Kart, parce qu'on est sur Mario Kart, mais dans Mario Kart Super NES, il faut savoir que Peach et Bowser, leurs sprites ont été censurés parce que à la base, du coup, quand tu termines premier, il y a le poisson qui te donne la coupe, mais il te donne aussi une bouteille de champagne, je crois. Et en fait, Bowser et Peach se bourraient la gueule avec la bouteille de champagne. Genre Peach, elle buvait, elle était complètement saoule. Tu la voyais, elle était saoule. Et Bowser, pareil, il buvait la bouteille de champagne, quoi. Et du coup, ça a été censuré chez nous. Et à la place, maintenant, ils font un sprite. Enfin, il y a une animation comme ça. Et la bouteille, elle tourne et elle retombe dans leurs mains. Et voilà, ils font comme ça. Italie, il y a déjà, me souviens même plus de tous les circuits. Non, non, il n'y a pas en Italie. Le Mario Staline, tout le monde l'attend. Non, tout le monde l'attend pas. Berlin, c'est connu. Non, mais c'est pas que Berlin, c'est pas connu. C'est que Berlin, c'est pas la première ville qui me vient à l'esprit quand je cite des villes du monde entier. C'est ça que je veux dire. Yes, la coupe banane. Parfait, ça.